Qu'est-ce que vous êtes là? Respire, respire, respire. Donc à la citadelle de Doulens. Donc à savoir que c'est qui dit Doulens. Oui, c'est Doulens. Qui dit Doulens? Qui dit Doulens? Majorité. Team Doulens. Je la refais. Ok. Team Doulens. Je dis Doulens ou c'est bon d'être. Non, tu dis ce que tu veux. Ok. Elle a été habitée durant 500 ans et a donc asservi à la détention. Au XVIIe, ça a été une prison pour des grands politiques français, dont le frère de Louis XIII. En 1855, elle devient une maison centrale pour femmes, jusqu'en 87. Alors ils disent pénitentiaire, mais aussi de préservation pour les jeunes filles, dont la vocation était par certains aspects plus sociale. C'était pour lutter contre la délinquance. Et dans les années 50, c'est devenu une prison pour les femmes. Donc finalement, la dernière utilisation du fort date des années 50. Comme je disais après que ça soit devenu une maison de détention pour femmes, les lieux sont occupés par des familles de harkis. Elle les quitte en 65. Donc qui dit famille dit enfant. Il y aura eu pas mal d'enfants. Je crois que c'est de l'ordre de 300, si j'ai bien souvenir. C'est quoi famille de harkis? Pendant la guerre d'Algérie, c'était les combattants algériens qui ont été recrutés par l'armée française à l'époque de l'Algérie française. Et en fait, les harkis ont été un peu rejetés par leur pays puisqu'ils avaient aidé la France. Et du coup, c'est des familles algériennes. Les collabos, voilà, les collabos c'était algériens. Un peu les collabos algériens. Et du coup, c'était des familles qui ont été rejetées par leur pays et qui se sont retrouvées en France. Ça vient de là, en fait, toutes les familles algériennes. D'accord. Parce qu'on voulait plutôt dans leur pays. Et du coup, quand ils arrivaient en France, bah, c'était une population, on n'était pas prêt à les accueillir. Donc, bah, fallait bien les loger quelque part. Il y a eu les cités dortoirs, il y a eu tout ça. Mais là, voilà, il y a eu beaucoup de familles qui ont été logées de harkis dans la citadelle. D'accord, ok. Donc, on va se centrer pas mal sur, justement, quand c'était une maison, enfin, une prison pour les femmes. Et aussi, justement, par rapport aux familles où il y a eu des enfants. Donc, pour enquêter, ça peut être intéressant du fait qu'on n'ait que des femmes. On est toutes les quatre réunies, mais on a aussi donc la gagnante, Marie-Camille. Merci d'être venue. Ouais, merci d'avoir joué. Merci d'être venue. Avec plaisir. Et on a Cindy avec nous. Oui. Oui. Ouais. Allez, tu te lèves, tu te prends. Je m'appelle Cindy. Pourquoi elle est là? Elle est là parce qu'on s'est rencontrés en bossant pour les podcasts pour Magellan, parce que tu as été invitée dans l'émission sur laquelle je travaille avec David Lantin pour Magellan. C'est une émission sur laquelle à chaque enquête on a une invitée média et donc tu étais l'invitée média parce que tu es multitask comme toutes les meufs de notre génération. Donc tu es comédienne, tu es animatrice télé, tu es youtubeuse, tu as une chaîne YouTube. Alors je crois que tu m'avais dit qu'elle était pas mal centrée sur le voyage. C'est ça, les bons plans. Voilà, c'est Cindy fait des bons plans. Exactement. C'est ça, on mettra le lien, voilà. Et du coup on s'est rencontrés sur cette enquête et Cindy étant absolument géniale. Pression, quoi. Non mais comme ça t'avait quand même voilà, ça t'avait intéressé, j'avais senti que t'étais pas mal intéressée, je me suis dit c'est l'occasion, on a deux minutes, on va proposer à Cindy de venir avec nous. Donc merci d'être venue. Avec plaisir. Non, t'es heureuse quand même d'être là un peu, parce qu'on dirait que c'est la torture là. C'est les deux. C'est la torture plaisir. Et toi Marie, comment tu te sens? Globalement ça va bien, je suis assez assez sereine, je prends les choses au sérieux, je vais rester l'esprit ouvert, les oreilles grandes ouvertes, essayer de partager un peu de lumière et d'amour. Bah, parfait. C'est beau ce que tu dis. On n'a pas souvent des invités, une gagnante de concours, on l'avait eu une fois avec notre chouchoute Isabelle. Ça s'était super bien passé. Elle n'avait jamais fait d'enquête, elle était vierge comme tu dis toi aussi, ça s'est très bien passé. Par contre, je vous dis ce que je lui avais dit à l'époque, il faut vraiment que vous l'entendiez bien. Le but c'est que vous participiez vraiment avec nous, donc vous allez être dans des équipes où on va vous faire des choses. Par contre, immersion. Vous êtes vraiment là pour mettre les mains dans le cambouis. S'il y a des choses qu'on vous demande de faire, vous ne vous sentez pas de le faire, vous n'hésitez pas à le dire, on ne va pas vous forcer. Nous, il y a des choses qu'on est censé faire et au dernier moment, on ne se sent pas. Et quand c'est comme ça, on ne se force pas. Il ne faut jamais se forcer avec du paranormal. Ça arrive. Donc voilà, si vous ne le sentez pas, vous le dites. Et si à un moment, vous avez peur, parce que vous aurez peur, parce que nous aussi, on a peur, parce que c'est normal avec l'activité qu'on fait, n'ayez pas honte de le dire. Voilà, là, nous, on fanfaronne, mais quand la nuit va tomber, vous allez voir que ça va
Retombez doucement, on va toutes flipper, c'est normal. Ce que vous voyez le bâtiment là-bas sur la gauche, c'est l'ancienne maternité. C'est le 18e siècle, quand c'était un centre de préservation pour jeunes filles. C'était surtout D'accord. des prostituées de la région parisienne. Et ils arrivaient ici, soit ils accouchaient ici ou avec leurs enfants. Donc ils étaient hébergés ici. Entre les soldats, le pénitencier jusqu'à nos jours, en fait, des personnes qui ont vécu essentiellement soit des drames, soit des problématiques importantes. Certaines prisonnières ont perdu leurs enfants, hein, ou d'autres venaient effectivement avec la mort de leur nourrisson sur leur conscience. Hein. Donc là ici, on est, on suppose quoi, ils ont construit la citadelle sous un ancien château fort. Ouais, d'accord. Donc on suppose qu'il était ici. Donc ici, vous avez une entrée de souterrain. Ah oui. Il faut savoir que sous nos pieds là, on a 3 étages de souterrain. Donc là, c'était le poste de garde là, sur la gauche, avec un accès directement dans les souterrains. Sur ces photos-là, j'ai voulu illustrer parce que pour moi, c'est raconter beaucoup de petites histoires. Donc là, on peut voir des prisonnières, tout simplement parce que dans la prison, c'est une prison école. Tout simplement, le système qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'on fait un travail de la ferme. Mmh. Ce qui veut dire que ce qui est fabuleux, c'est qu'on avait des prisonnières, mais on avait des poules, des cochons, potagers, des cochons, des vaches, la traite. Pour certaines qui étaient, on va dire, entre guillemets, autorisées, elles pouvaient faire aussi de la culture à l'extérieur de la citadelle. Des activités culturelles, puisqu'il y avait aussi, il faut le dire, une classe. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui de la MSB, maîtrise savoir de base, hein, lire, écrire, compter. Donc là, c'était bâtiment administratif. Oui. Maison du directeur. Le bureau du directeur, et c'est un des bâtiments qu'on a en projet de rénover. Sous ce site-là, il y a un blocos qui fait 625 mètres carrés pour la guerre 39-45 et qui a servi d'archives départementales pendant un moment. D'accord. Donc on va retrouver quelques archives, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. T'as une lampe pour partager? Ouais. Donc là, on imagine, je ne sais pas, soit des logements, soit des logements administratifs. Vous avez tout un système de ventilation. D'accord. Avec pour aspirer l'air vicié, c'est bien fait, vous pouvez vraiment vivre en autarcie. Il faudra pas les trous. Donc là-bas, c'est pareil, encore des salles, et puis là-bas, il y a une sortie avec un escalier. Ah là, il y a une sortie là-bas. Là-bas, tout au bout, on est passé devant une, et il y en a encore une dans l'angle. Ok. Quand je dis qu'il y avait des notes... Je te laisse passer. Donc c'est resté dans leur jus. Oui, ben on y va. Et vous n'allez pas les sortir Ah non. Moi j'ai appelé les archives départementales en disant il vous reste des archives. Ouais. Ça fait quoi, 2 ans? Ça les intéresse pas, mais c'est un trésor d'informations. Elles sont peut-être plus exploitables. La masse documentaire aujourd'hui en France, on ne sait pas à gérer. Je suis catastrophée de savoir tout ça ici. J'imagine sans faire en fait. Ça va être corsé. Très. Après cette première découverte avec les membres de l'association La Citadelle, nous avons une meilleure vision du travail qui nous attend. Nous sommes plus nombreuses qu'à notre habitude, mais le lieu est grand et nous avons de nombreux bâtiments à disposition en plus du blocos visité dans la journée. Il y a l'ancienne maternité, l'ancienne chapelle et
les souterrains. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la nuit tombe. Donc du coup la première tournus, les équipes sont donc Blocos, moi, Laetitia, Marie-Camille, et dans les souterrains, Vonette, Cindy et Chou. Tout le monde prend un dictat, un K2. K2, voilà. Par rapport à des supports pour ce soir, j'ai trouvé plusieurs choses. J'ai pas trouvé énorme. Hein. Donc là il y a un document. Donc c'est rapport à la seconde, c'est les juifs au camp de Doulon. Donc, à l'époque ils appelaient même ça un camp. Hein, voilà. Y a un plan. Donc l'intérêt de ça, l'emmener en tournus, c'est juste pour essayer de voir s'ils parlaient un peu du plan, lire les trucs qu'il y a écrit là, peut-être se servir de ce qu'il y a écrit sur le second papier si ça peut amener quelque chose. Nous on va peut-être le prendre avec nous ça. Ça marche. Deuxième chose, j'ai trouvé ça. Alors c'est un livre qui a été écrit par un prisonnier politique qui a été emprisonné ici, qui s'appelle Charles Marshall. Quand il était là, il a écrit. Voilà. Et dans la préface de ce bouquin, il parle un petit peu des conditions d'emprisonnement ici. Donc c'est pareil, je pense qu'il faut l'emmener. On va pas lire tout le bouquin, mais peut-être lire la préface là-dessus. À savoir que de toute façon, moi je veux voir avec ce monsieur Charles Marshall, parce que prisonnier politique, pourquoi? Parce qu'il faisait partie, alors accrochez-vous, je ne savais pas que ça avait existé, du parti anti-juif. D'accord. Décidément, la France, on apprend de tout. C'est un sombre parti politique qui apparemment a eu des places au gouvernement, etc., mais pendant quelques années. Et après, il s'est dissous sans qu'on sache vraiment quand, parce qu'en gros, ça n'a pas été très suivi. Mais le parti s'appelait le parti anti-juif. Il est 22h15. Après, donc 23h15. 23h20, allez. Ouais, ça fait. On a quoi? On a tous 6-7 minutes à arriver. Ouais, 23h20. On va essayer de se repérer. Oui, ce sera mieux. C'est pas évident. Ça serait mieux. Sécurisant, mais je vais me mettre là, c'est pas de souci. Ça va, Marie? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Manu, je suis avec Marie-Camille, Laetitia et Joanne. On est ici pour recueillir des preuves de vie après la mort. Donc on va essayer de communiquer avec vous si vous le souhaitez. On va procéder par diverses manières. On vous respecte, on respecte les lieux et on attend de vous le même respect vis-à-vis de nous. Ils sont hyper éloignés en fait, les lieux les uns des autres. Hein. T'as un mauvais sens de l'orientation. En plus, il fait nuit comme ça. Alors, dans les souterrains, ça va aller parce que les espaces ils sont restreints, mais là en plus, les espaces sont tellement grands qu'avec ta lampe torche, tu peux y aller, tu vois pas au bout du chemin. Hein. Je propose déjà de laisser une des lampes là allumée, comme ça on sait que là c'est la sortie. Ça vous va? Ok, on est prête. Regardez bien autour de vous. 3, 2, 1. Ils nous ont montré ici, alors, on va osioter un peu les murs, sur ces. En fait, ces souterrains, ils ont été bâtis en même temps que la citadelle. Ils datent vraiment de la même époque. Et du coup, il y a pas mal de graffitis sur les murs. Donc, il y a des noms, il y a des dates. Ça, c'est hyper intéressant. 1914. Jacques.
on voit que c'est plus du tout la même écriture qu'aujourd'hui. Et du coup, pour nous repérer par rapport au graffiti, il nous expliquait qu'en gros, comme là, les souterrains, ils ont été utilisés pendant toute l'époque, enfin toute l'utilisation de la citadelle, et que c'est quand même une très large époque, en fait, il nous disait que les graffitis qui sont gravés dans la roche, c'est époque Première Guerre, de toute façon, 1914, voilà. Et quand c'est de l'encre, c'est plutôt ça que ça a été posé à la seconde. Okay. Ça vous va si on dit bonjour ici? On est courageuse ou pas? Si vous ne sentez pas, vous les rallumez, mais là on a un point de lumière de toute façon là-bas. Alors par contre, je constate que pour le coup, effectivement, on n'entend pas du tout ce qui se passe dehors. Ce qui veut dire aussi que si on entend un bruit, il vient des souterrains. Alors bonsoir. 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 Je m'appelle Vonette. Je suis avec Chou et Cindy. On fait partie d'un groupe qui parcourt un petit peu les lieux historiques, les lieux chargés, parce qu'on est à la recherche de preuves d'une existence de la vie après la mort. Si on est venu ici, c'est pour essayer d'entrer en communication avec vous, de vous donner la parole, de vous écouter. Si vous voulez bien participer à nos expériences, merci. Si vous ne voulez pas, vous n'y êtes pas obligé. On ne vous forcera pas. Est-ce qu'on fait un tour UMF? On check? Il y a des gaines là-dessus avec des lumières. Encore rien, l'EMF, pardon. Non, par contre, là, j'ai mis un film. Donc, le câble, vas-y. Non, il n'y a rien. Oui. Ça va? J'aime pas du tout cet endroit. Hein. Non, bah, je m'en serais douté. Je ne suis pas très fan non plus. Tu ressens quoi? Non, en fait, là, quand j'étais dans le couloir tout à l'heure, c'est peut-être, tu vois, genre une appréhension, mais j'avais le cœur qui battait, mais trop. Ouais, bah, c'est pareil. C'est peut-être le fait aussi d'être, tu vois, en souterrain. C'est calfeutré, on sent qu'on est isolé, même si on est encore dans l'entrée. La claustrophobie. Ouais, c'est exactement le premier mot qui me suis venu quand on a fait la visite. Ouais. Claustro. Explique-moi, il y a quoi d'autre ici en fait? Ça fait tout le tour, cocotte. Il y a des ouvertures partout. Là, le couloir que tu as là, ouais, tu vas l'avoir sur tout le long. D'accord. Tu as plein d'ouvertures à droite et à gauche. Et là, il y a des flèches. Je me souviens qu'ils avaient dit, vu qu'ils avaient fait une course, tu sais, à Zombie Run, là. Oh, putain. Voilà, les flèches, c'est pour s'orienter. Du coup, donc on a dit provoque active. Oh, on va pas aux archives, là? T'as vraiment envie d'y aller tout de suite? Ben ouais, moi j'aurais bien fait là-bas, ouais. Ok, alors par contre, repérez bien comment on y va et comment on revient. Parce que là, pour le coup, autant vous dire que moi je suis nulle. C'est là. Ça, c'est moi qui fais ça, déjà. Mais il y a eu deux boum boum. Il y a un peu tout, mais après, t'as vu l'état des papiers? Avec l'humidité. Putain, c'est un coup. Partout. T'as encore une ouverture. Ok.
on réexplique le principe. Donc la provoque active, c'est on pose des questions et on leur demande de nous répondre par des bruits. On voudrait savoir s'il y a quelqu'un avec nous, si c'est le cas, est-ce qu'il vous est possible de faire un bruit contre un matériau quelconque, contre le mur, contre la brouette qui est juste à nos pieds, ou même le bruit des feuilles. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Comme vous l'a dit tout à l'heure Manu, on n'est pas là pour vous faire de mal, on n'est pas là pour vous chasser. On n'a pas le pouvoir de le faire. On aimerait juste avoir des réponses. Et la façon d'avoir des réponses, ce serait de répondre à nos questions par des coups comme ceci, par exemple. Est-ce que vous pouvez essayer de reproduire ce bruit ? Est-ce qu'il vous arrive de venir feuilleter les manuscrits qu'il a sur ses étagères ? Est-ce que vous pouvez essayer d'en feuilleter un au hasard ? Il y a pas mal de bulletins scolaires sur ces archives. Et est-ce que vous étiez écolier ? Est-ce qu'il y a eu ici des officiers allemands ? Si oui, faites un bruit, s'il vous plaît. Allô ? Ich bin Marie Camille. Sie ist Laetitia. Und sie ist Manu. Du bist da? Deutsch Officer? Hi. Du bist da. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une séance dicta ? Oui, on peut. On peut parler un peu en anglais, je pense que ça, c'est très proche comme langue. Enfin, je sais que les Allemands sont en général bilingues en anglais, sans souci aussi. Il pleut dans le silence. Hein. Il est horrible. Et le pire, et c'est purement psychologique, j'en ai tout à fait conscience, quand t'as des immenses tunnels comme ça, quand tu regardes au bout, bah soit tu vois pas le bout, soit tu peux être sûr que tu t'inventes des... Ouais, tu vois, tu vois forcément des... Mais parce que ton œil déforme la noirceur, tu vois, mais c'est... C'est flippant. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour ? Comme ça, on l'a fait, et après on choisit quelque part où se poser. Ouais. J'espère que tout à l'heure, on le touche. Je sais pas. Attends. C'est hyper chelou, j'ai eu un... Oui, d'accord. Point 7. Vous l'avez vu ou pas ? J'ai vu point 6. Hein. Point 5. Il n'y a pas de truc électrique là-dedans. Point 6, ouais, c'est... Il y a l'électricité quand même là. Mais... Non, ça dégagerait. 0,1, c'est un taux normal. Les... 0,9 et 1,09. Il y a des pièces de stockage. On continue. Je te suis. Là-bas, il y a des lumières de la ville, c'est normal. Oui, ouais, c'est dur. Ouais.
Mmh. Ouais, petite barre au crâne qui commence à venir. Ça va. Mmh. Je me dis juste que c'est pile le moment dans les films d'horreur où je me dis mais quelle conne, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont séparées déjà. Les trucs hauts là, les citadelles, enfin les. Parce que là on entend un peu la résonance de voiture. Tu veux qu'on tombe dans une des petites salles? Non. Tu sais, Cindy, il va falloir tenter quelque part. Je sais. Si c'est pas sur A, non, ça non, peut je être me dis sur que B. Enfin, en tout cas, faut être le plus loin possible d'entre deux trous. Il bah, y avait une pour salle éviter, par exemple, ouais. 1.0, on revient en arrière. Pourquoi j'ai mis un croisement? C'est chelou, c'est une différence. Parce que si il y avait un courant électrique à chaque fois de l'eau au moins. Tu penses pas que c'est le courant électrique qui passe là-haut qui. Si c'était le courant électrique. Ouais, mais c'est pas genre de temps en temps. Si c'est un courant alternatif, c'est possible. Je vais attendre. Est-ce que ça passerait à 1 quoi? Un courant électrique, ce sera probablement plus. Ouais. Ouais. On va voir, de toute façon, je l'ai eu deux fois. Ouais. Quoi, on va dire les 30 secondes d'intervalle, 40 secondes d'intervalle. Mais cela étant dit, ça m'étonnerait parce que c'est pas un interrupteur, c'est des fusibles que j'ai baissés. Putain, ta mère. Ah oui, elle est énorme, elle est dégueulasse. Ah oui, grave. Ah non, là, elle est. Elle bouge, je me casse. Je te l'ai pas dit exprès, désolé, mais. Mais Dieu. Non, mais t'es dégueulasse. Elle bougeait pas, donc ça. T'es une fenêtre, quoi. Mettons-la devant, puis ne me dis pas quand il y a une tarentule à côté de ça. Ah, une tarentule. Dans tout comme, quoi, sa cousine, quoi. Sa petite, petite sœur. Par contre, on est d'accord qu'en vrai, je suis restée plus longtemps que tout ouais, à l'heure. Et ouais. Oh, cet endroit, il est horrible. Ça, il est pire que tout. Non ouais. C'est sûr que t'as hein. Il y a juste ouais, une ouverture là, ouais, donc si on entend des bruits, ça peut. On fait le silence. On les entend un peu quand même. Ouais, moi, ce qui est une autre. C'est un breton, ça, le gain. Ouais. Donc là, là, elle va nous demander d'éteindre. Ouais, elle va nous demander d'éteindre, ouais. Ok, je pose le dictat. Citadelle de Toulon, premier tournus, première séance PDE, Chou, Cindy, Bonnette dans une des petites pièces de stockage. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous avez été prisonnier? En quelle année avez-vous été prisonnier? Il y a eu un bruit. Est-ce que vous étiez soldat? Est-ce que vous étiez une femme? Est-ce que vous vous sentez seule? Est-ce que Dieu existe? Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai senti une présence super forte.
Plusieurs événements s'enchaînent assez rapidement. Un bruit se fait entendre devant la salle dans laquelle nous nous trouvons. Chou panique ensuite, ayant l'impression que quelque chose la traverse. Sa réaction est-elle due au bruit enregistré? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Lumière, 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 lumière. Lumière, 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 lumière. Lumière, lumière. Est-ce que c'est vous que Chou a l'impression de sentir? Excusez-moi pour ma réaction, c'est juste que c'est surprenant. Je vais réécouter ça avec les bêtises. Ça va chaud. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ce souterrain, mais je pense pas qu'il nous voit. Je pense que c'est purement résiduel en fait. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas qu'il sache qu'on est là en fait. J'ai dit un bruit et que vous avez tout dit oui. À la réécoute, j'ai plus l'impression que c'est une voix qu'un bruit. Mais sur le coup, moi, ça m'a fait vraiment bruit. Vous aussi? Ouais, je vous le fais écouter. Je pense qu'il n'y a pas besoin du casque. En quelle année avez-vous été prisonnier? Vous avez entendu? Ça fait un peu. Ça fait plus de voix que. En quelle année avez-vous été prisonnier? Et j'ai dit quoi? J'ai dit 1,17 et 1,37. 1,37. Ah oui, c'était 1,20, 1,37. Est-ce que vous étiez une femme? Est-ce que vous chantez ça? C'est quoi ça? C'est le nom de ton papa. Est-ce que vous chantez seul? Tu le sens encore? Non. Non plus. C'était. C'est passé. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe et du coup il est parti ailleurs? Ouais. Est-ce que c'était un moment? Enfin, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais j'étais complètement d'accord avec toi quand tu l'as dit et d'ailleurs j'ai même eu l'impression d'entendre des bruits de pas. Mais je pense pas que ce soit des bruits de pas, admettons. Et là, pour moi, c'est fini, en fait. Oui, c'était comme un... Pas comme si ça me traversait, mais pratiquement... Mmh. Un... Ouais, donc, ça a été hyper furtif. Voilà, surprenant, mais... Est-ce que vous faites une ronde dans les souterrains? Vous travaillez là peut-être? Vous montez la garde? Est-ce qu'on ferait pas là pour changer? On se met dans le couloir, on teste un peu les mêmes choses, et puis selon si on entend des choses, on se dirige dans une pièce ou l'autre. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit dans une des pièces, s'il vous plaît? Essayez de taper contre une armoire en métal, ça va faire du bruit, on entendra que vous êtes là. Je suis hyper oppressée. Oui. Plus que là-bas. Do you understand me? Make a noise, please. Vous devez avoir les moyens de vous déplacer. Est-ce que vous pouvez essayer de vous déplacer vers nous? Est-ce que la lumière vous dérange? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Il y a des numéros sur les portes, vous pouvez nous dire à quoi ils servaient? Est-ce que vous savez à quoi ils servaient? Est-ce que vous savez que la guerre est finie et que l'Allemagne a perdu?
séance audit. Est-ce que vous savez que l'Allemagne a perdu ? Aucun PVE n'est enregistré lors de cette séance de questions. Néanmoins, alors que Laetitia la réécoute, une voix est enregistrée sur le micro principal. En tout cas, on vous remercie si vous avez essayé de communiquer avec nous et si vous n'y avez pas réussi, en tout cas, sachez que c'est pas grave, c'est pas votre faute. En tout cas, on vous remercie quand même de votre attention et puis on va vous laisser pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous les avez entendus, l'album ? Oui, ouais. D'accord. Ouais. Comédien et que tu as l'habitude de lire. C'est la préface. À Monsieur Edgar Quinet. Pour remplir la pesante oisiveté de la prison, j'écris ces lignes pendant les longues soirées d'hiver, dans l'une des cellules de la citadelle de Toulon, dans laquelle je suis détenue. À chaque instant, je suis interrompue par le cri des soldats. Sentinelle, prenez garde à vous, qui se répète toute la nuit. Absolument comme si les sentinelles avaient quelque chose à craindre de notre part. Oh, nous sommes bien gardés, les armes sont chargées et la baïonnette est au bout du fusil. Je viens, monsieur, du fond de ce cachot, vous adresser ces pages, car je n'ai pas oublié que par un rare privilège, unissant un grand cœur à un grand talent, vous avez bien voulu m'apporter vos précieuses consolations dans ma prison, devant les murs de laquelle recule tant d'amitié qu'on croyait éprouvée. Je mets donc ce livre à vos pieds en vous priant de me continuer votre bienveillance et d'agréer l'hommage de mon tendre et profond respect. 12 novembre 1846, Charles Marchal, détenu politique à la citadelle de Doulan. Monsieur Charles Marchal, vous reconnaissez votre texte ? Vous reconnaissez, pardon, votre texte ? Faites un bruit si c'est le cas. J'ai fait des recherches sur qui vous étiez, votre rôle dans la vie politique française. J'ai découvert quelque chose de pas terrible, terrible. J'ai découvert que vous aviez fait partie d'un parti politique, d'un groupe politique, le parti anti-juif. Les Juifs ont énormément souffert pendant la Seconde Guerre. En France, nous sommes libres. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et un parti comme le vôtre ne pourrait plus exister, ne pourrait plus arriver au pouvoir. Vous ne pourriez rien faire contre moi. Est-ce que ça vous embête ? Est-ce que ça vous met en colère ? Ou est-ce qu'au contraire, depuis, vous avez changé d'avis et que vous voudriez... de vous le faire savoir, qu'on ne garde pas ce souvenir de vous. Moi, je me sens plus oppressée ici qu'en bas, depuis qu'on est monté, depuis tout à l'heure. Ça va. Allez, on va pas pouvoir rester longtemps, il va falloir qu'on s'en aille. S'il vous plaît, si vous avez envie de montrer au monde que vous êtes là, que vous existez, ce que nous pensons, ce dont nous sommes persuadés. Allez, faites un bruit maintenant, allez-y. Merci, si c'était vous, merci. Merci. Alors, c'est pas mal. On va se rapprocher. On peut mieux faire. C'est pas mal, mais effectivement, comme dit Cindy, on peut mieux faire. On va se rapprocher doucement de l'endroit où vous venez le bruit, qui je pense était là, cette antichambre-là. Alors, on s'est rapproché parce qu'on a entendu un bruit qui venait d'ici.
Et ça nous paraît quand même étrange parce que ce bruit est intervenu pile au moment où je vous demandais de le faire. Si c'est vous, si vous êtes encore là, allez-y, recommencez maintenant. Donnez un coup de pied au sol. Éteignez une de nos lampes. Je vous le répète, on ne va pas pouvoir rester. Là, on va devoir partir. C'est quand même dommage. On est resté là une heure, on vous a proposé différentes choses. Vous le savez, on est les premières à venir ici, à essayer de vous donner la parole. Ça peut être utile, je pense, que vous montriez aux gens que vous êtes là, que c'est un lieu important. Vous savez, l'association qui se bat pour maintenir cette citadelle, ça pourrait l'aider. On est courageuse, on se remet dans le noir une minute. J'éteins ? Ouais. On est là pour vous, on veut pas vous faire de mal. On est là pour apporter des preuves. Est-ce que vous avez envie de nous montrer que vous êtes là ? On a entendu des bruits tout à l'heure. Est-ce que c'était vous qui nous avez fait pour nous montrer votre présence ? Est-ce que vous êtes en capacité de le refaire, s'il vous plaît ? Je crois que j'ai jamais été, on n'a jamais été dans un endroit aussi noir. Ouais, c'est clair. Tu peux éteindre l'infrarouge 2 secondes, juste pour que les gens voient à quel point on est dans le noir, on n'existe pas, quoi. Voilà. Je ne vois pas à 30 cm. Attention, on marche, les filles. C'était l'une d'entre vous où on s'arrête pour rien ou... De quoi ? T'as pas entendu ? T'as entendu, c'est dit ? Dit pendant le brief, j'ai vu un cheval pendant la visite. Enfin, je l'ai vu avec ma tête. J'ai vu un cheval à un moment pendant la visite. Je sais absolument pas s'il y a des chevaux, enfin, tu vois, genre, j'en sais rien. Moi, si t'as des militaires, tu vois, j'imagine des tanks. Et j'ai demandé au mec, il m'a dit oui, il y avait des chevaux. Ça va, Marie ? C'est très bien. Ouais. On a essayé de parler allemand, mais nous on savait pas parler allemand, heureusement. Tu parles allemand ? Voilà. Tu parles Win quoi ? Trois mots. Ouais, c'est pareil, Jo, il nous a aidés pour quelques phrases, mais on a rien eu. On a essayé de parler anglais aussi, on n'a rien. Et nous, ultra calme, hein, pareil, hein, ouais. On va pas tirer des plombs sur la comète. On était dans le noir, on faisait une provoque passive et petite sensation de traversée quoi, d'un coup, donc ça m'a surpris, évidemment. Quand on a fait la séance passive, en fait, pendant la séance passive, on a entendu un bruit. On l'a tagué, on a dit un bruit. Et en le réécoutant, c'était assez étrange parce que finalement, le bruit qu'on a enregistré ne ressemble pas du tout à ce qu'on a entendu à nos oreilles. Moi, je trouvais que ça faisait plus voix. Ouais, ça faisait pas bruit. C'est que ce qu'on a entendu ouais. À nos oreilles. Quoi. C'était okay. Assez étrange. Et quand Chou a dit qu'elle a eu l'impression, machin, moi, je lui ai dit, pareil, avec une bonne petite certitude, que oui, il y avait quelqu'un, mais que c'était purement résiduel, en fait. Enfin, je lui ai dit, cette personne ne sait pas qu'on est là, en fait. Je pense pas qu'elle ait conscience qu'on soit là. Et on était d'accord, après, toutes les deux, au même moment, de dire c'est fini, en fait. Il n'y a plus cette sensation, la personne n'est plus là. D'accord. Mais rien qui puisse prouver ça, à part des ressentis, voilà. Mais dans l'ensemble, on est d'accord, les meufs plutôt calmes. Hein. Ouais, bah ouais. Surtout qu'il y a un silence assourdissant. C'est ouf. Ouais, je sais pas, les blocos, mais les souterrains, tu sens que c'est déferlant. C'est la première fois que des gens viennent enquêter, provoquer tout ça, donc bon, c'est pas étonnant que là, le premier soir, ça peut être calme, comme demain, ça peut être. Oui, de toute façon, il faut qu'on se méfie parce que les enquêtes qu'on a eues deux soirs, on l'a toujours dit. Hein. Tu peux être le premier soir, là, ouais, non, c'est hyper calme, et finalement, c'est les feux de l'enfer. Taillot. Ok. Non, on va à l'endroit tout à l'heure où j'ai dit, ah, j'aime pas ici. Tu te rappelles ou pas ? J'ai dit, ah, ça va, il y a un tracteur, on va pas y aller. Ah.
Voilà, voilà. Alors bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Chou. Je suis avec Cindy et Laetitia. Vous avez peut-être dû nous voir, nous entendre, nous apercevoir, nous balader au travers de la citadelle depuis maintenant fin de journée. Si jamais vous êtes avec nous, ou si vous êtes dans cette pièce, et que vous souhaitez communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît ? D'accord, merci beaucoup. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Où est-ce qu'on va là ? À la maternité. Okay. Vous me suivez ? Ça va jusque là. Donc par contre, on peut. Il a dit, non, en fait, on peut pas entrer, enfin, on peut pas avancer au-delà de ce qu'il y a là. Là ou après, est-ce que je veux dire, on peut commencer ici. Et vu que là, c'est un peu ouvert, ouais. Se mettre devant là-bas. Ouais, ça marche. Ça te va ? Ouais. On est courageuse ? Non, j'ai éteint. Est-ce que vous êtes malade ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Ça se déplace. J'ai un mal de crâne qui monte. Approchez-vous de nous. Je vais dire peut-être un truc complètement débile. Je suis juste au niveau de l'entrée. J'ai la moitié du crâne, donc côté entrée, qui me fait mal. Je vous souris. Tu m'as touché le dos, honnête ? Non. Je m'approche de ton dos. Ouais. Honnête a vu un cheval tout à l'heure. Et ça a été confirmé par la personne de l'association. Alors, je sais pas comment on peut essayer de communiquer avec un cheval. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été enfermés ici ? J'ai éteint l'appareil que j'avais dans la main, donc pareil, si jamais vous souhaitez nous montrer votre présence, vous avez vraiment le choix. Il y a pas mal d'objets autour de nous, de petits cailloux, de plein de choses. Donc la même chose, si jamais vous ne souhaitez pas communiquer, vous pouvez également faire un bruit. Est-ce que c'est le cas ? Vous ne souhaitez pas communiquer avec nous ? Vous n'avez pas entendu ? D'accord. Oui. On va vous laisser. Personne ne va revenir de ce côté-là pour ce soir, dans cette salle. Normalement, sachez qu'on va encore continuer à visiter la citadelle. Il n'y a pas forcément eu que de la joie, il y a eu aussi beaucoup de souffrance, on en est consciente. Est-ce que vous êtes en souffrance actuellement ? De ferraille, non ? C'était un gros bruit là, non ? Ouais, mais de la ferraille. On a entendu comme un bruit de ferraille. Est-ce que c'est vous qui en êtes responsable ? Est-ce que vous êtes capable de reproduire ce bruit ? Est-ce que vous avez du mal à respirer ? Moi ? Mon bras. Je me suis fait griffer. Tu t'es fait griffer ? Ouais.
je crois. Tu vas pas le voir, je pense. C'est avec mon bras noir. Je me suis fait. Est-ce que vous. Est-ce que vous avez besoin d'un médicament? Est-ce que vous voulez que je vous amène un médicament? Est-ce que vous avez besoin d'une aide médicale quelconque? Est-ce que vous pourriez faire un bruit ou un signe pour vous confirmer que c'est le cas? Alors, sachez qu'on ne peut pas rentrer plus que cela parce que le, vous ne voyez peut-être pas, mais le sol que nous on voit est très délabré. C'est assez dangereux pour nous en fait. Donc c'est pour ça qu'on reste volontairement devant la porte. Je vais poser ma lampe là devant. Je vais faire doucement. Cette lampe, je suis à peu près persuadée que vous n'êtes pas très éloignée de notre époque. Donc vous savez ce que c'est. Il y a des piles à l'intérieur. Ces piles, si vous essayez de les manipuler, vous allez pouvoir peut-être essayer de les éteindre ou de faire clignoter la lampe. Je vais aller la poser là-bas. J'allais dire si vous n'avez pas envie de vous approcher de nous, mais je pense que c'est pas un problème. Mais bon, je vais quand même la poser là-bas. Et je vais vous proposer d'essayer de l'éteindre, ou en tout cas de faire clignoter la lumière. Fais gaffe à toi, quand même. Ouais. Je la pose là. Assez étrangement, ce bâtiment qui nous inquiétait tant dans la journée est resté plutôt calme. La sensation de contact ressentie par Manu, ou la griffure apposée sur mon bras, ne peuvent pas être considérées comme des preuves. L'atmosphère est très pesante, ce qui est normal quand on imagine les femmes ayant peut-être souffert dans cette maternité. Mais le malaise ressenti n'est pas égal au phénomène enregistré. Et les quelques petits bruits entendus peuvent facilement venir des arbres qui nous entourent. Est-ce que vous pouvez essayer de vous déplacer sur le sol? Peut-être qu'on entendra vos bruits de pas. Il va falloir qu'on parte là, de cet endroit-là. On va aller dans d'autres endroits et on reviendra demain, mais on va peut-être pas revenir ici. Si c'était vous, là, les bruits, les lumières, etc., juste pour nous montrer qu'on n'est pas folle et qu'on a bien vu et entendu des choses, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, là, maintenant, faire un bruit, taper dans quelque chose, jeter quelque chose, essayer de crier très fort si vous y arrivez, allez-y, maintenant. Donc même si on sait que c'est un peu chelou parce qu'on ne les entend pas tout le temps les bruits, finalement c'est assez calme, l'environnement sonore il est plutôt calme bizarrement. C'est pas assez quoi. Moi pour moi là-bas là, c'était vide. Ouais. Autant dans les souterrains tout à l'heure, non. Mais après est-ce que c'est aussi une sensation de claustrophobie un peu plus que là dehors, enfin, dans les souterrains c'est le fait que ça soit ouvert, tes sens sont un peu peut-être moins centrés parce que t'es pas enfermé, donc ouais, ça. Ouvert sur l'extérieur. Tellement angoissant les souterrains que c'est facile de s'imaginer des choses. Oh. Mais la sensation dont je parle, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que vous me fassiez comme ça. C'est pas ça en fait. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose que nous on reconnaît avec l'habitude, ouais. Quand on sait qu'il y a quelque chose mais qu'il ne se passe rien. Mm. Alors, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un, mais c'est. Parce que c'est pas ça, c'est pas de l'oppressement. Moi, j'étais limite plus oppressée là, à l'extérieur, ouais. Que dans les blocos. C'est quand t'as réellement l'impression que c'est là, c'est autour de toi, tu sais que t'es pas seule, t'as l'impression que tu vas faire ça et que tu vas toucher quelqu'un, et pourtant, il se passe rien. Mm. Mais ça, c'est une sensation, pour moi, qui est très spéciale, et ouais, je pense vraiment, en fait, que ça grandit en nous, en fait, au fur et à mesure qu'on enquête et qu'on fréquente des lieux comme ça. C'est vrai qu'au début, quand on a monté le groupe, on n'avait jamais en fait ces sensations à se dire « Oh là, c'est un truc que tu sais. » Et malheureusement, et c'est ce que je leur disais, s'ils nous entendent, c'est bien mignon, mais ça, on ne peut pas le montrer en fait à personne. Et Vonette qui dit « un cheval », t'as le droit de pas la croire et je comprendrai, tu vois. Donc c'est un peu frustrant là pour moi, parce que je suis vraiment, pour moi, c'est pas vide. Mais la communication passe pas, la connexion ne se fait pas entre nous, quoi. C'est le fait de...
Peut-être que là, vous êtes juste en observation, peut-être que vous nous jaugez. Est-ce que, ouais. Enfin, voilà, ce truc où tu as l'impression que la communication est difficile parce qu'on n'est peut-être pas sur le même plan, on a du mal à s'atteindre. Ouais. Bien qu'à certains moments, ça le fait. Genre, je sais qu'au début, je l'ai senti, ou je m'étais sans. Enfin, après, voilà, c'est pareil. Hein, c'est ressenti. C'est ressenti, quoi, c'est pas quantifiable. On peut pas faire une enquête basée sur pourcent. Quelque chose, c'est pas possible. Nous, ça va nous suffire, mais les gens qui nous regardent, ça va pas leur suffire, et je les comprends. Bah oui. Vraiment. Du coup, bah, en fait, en gros, il reste encore ces bâtiments-là en conservie. Il y a là, il y a à côté, il y a un bâtiment là en face. Moi, ce bâtiment là en face, il m'a fait quelque chose quand je suis passée devant. Je me suis retournée, je sais pas. Là, et pourtant, c'est 10 mètres carrés, hein, c'est un cube, mais je sais pas pourquoi là. La fatigue commence à se faire ressentir au sein de l'équipe. Nous sommes sur place déjà depuis de nombreuses heures. Le froid nous atteint également de plus en plus. Néanmoins, nous tentons un dernier tournus. Laetitia, Marie-Camille et moi-même, dans le bâtiment carré qui se trouve juste derrière notre QG. Cindy, Manu et Chou partent quant à elles à l'ancienne chapelle. Rien de particulier ne se produira lors de leur séance. Pour nous, en revanche, les choses vont rapidement se mettre en route. C'est d'ailleurs dès notre entrée dans le bâtiment qu'une voix effrayante est enregistrée. Bonsoir. C'est un appareil qui nous permet de détecter votre présence. Si vous vous approchez de cet appareil, il fera d'autres lumières que la lumière verte que vous voyez peut-être. Est-ce que vous êtes une femme ? Un bruit de pas. Si vous êtes là, si c'est vous qu'on a entendu peut-être éventuellement marcher, vous pouvez vous approcher de nous sans crainte. On vous l'a dit, on vous le répète, on n'est pas là pour vous embêter. On ne va vous faire aucun mal. On n'en a de toute façon pas la possibilité. Mais vraiment, c'est pas notre but. On est vraiment là dans une question d'observation et de communication. Peut-être comme vous, peut-être que vous nous observez autant que nous essayons de vous observer. Approchez-vous de nous, n'ayez pas peur. Je me base sur ce que tu dis. Robe grise et chignon. Je suis pas du tout une spécialiste de la mode, mais je pense que ça ne colle pas avec les années. Non, c'est pour ça. Ouais. Parce que les femmes à cette époque, de toute façon, on l'a bien vu sur les photos à l'entrée, elles avaient les cheveux plutôt détachés. Rationaliser. Voilà, je me sens pas bien ici. Je peux vous proposer quelque chose ? Oui. On s'assoit, toutes les trois là au milieu. Oui. Et on se fait un peu une séance kumbaya. Oui.
Ces tournus sonnent la fin de la première nuit d'enquête à la citadelle. N'ayant pas encore connaissance des PVE enregistrés, pour nous la nuit a été plutôt calme. Le lendemain, Vanessa nous rejoint. À son arrivée, Manu lui fera faire une visite du lieu, sans rien lui expliquer de ce que nous avons vécu la veille, pour ne pas l'influencer. Visite deuxième jour, Vanessa. Refais-moi un clap. Visite deuxième jour, Vanessa. Non, refais-moi vraiment un beau clap, s'il te plaît. Voilà, merci. Visite deuxième jour, Vanessa. Bruno ? Joli endroit. Hein. Non, mais c'est beau, c'est impressionnant, c'est grand. Quand la nuit tombe, vraiment, tu ne vois mais vraiment rien. T'as l'impression qu'on a fait, enfin, que les murs réapparaissent et qu'on a baissé les volets, quoi. Ouais. Alors, pour la petite, juste la petite anecdote. Ici, ils ont organisé ils appellent ça Zombie Run. Qu'est-ce quoi ? Zombie Run. Ah, c'est pas vrai. Si, si. Ok. Oh, j'avais... Qui m'a pris. Oh là là. Ça, c'est des armoires qui datent de l'époque, ou pas ? Ouais, ouais, si, si, ouais. C'est quand c'était occupé par les officiers allemands. Ça, c'est bien. Là aussi, il y en a partout. Il y a encore des pièces derrière. Ah oui, oui. Mais tu vas voir, ça, des fois, ça s'entrecoupe, c'est assez... Oh là là. Oh. Tu vois, t'as aussi accès par là. Là, hyper intéressant, les archives. Mandel, Sylvie, 6 octobre 56. C'est fou. Et vu que dans les années 50, il y a eu donc une, ce qu'ils appellent une maison de détention pour femmes. Et il leur faisait un peu des cours d'éducation, donc cours de calcul, d'écriture. C'est pas forcément des manuels qui doivent être rattachés aux officiers allemands, mais plutôt à l'historique de l'école pour les femmes. D'accord. Les filles ne l'entendent pas avec leurs oreilles, mais une voix vient de retentir à l'intérieur du blocos, donnant le départ d'une avalanche de phénomènes. Ça va, tu te repères un peu ? Bah là, on va... À gauche ? Ouais, on va passer derrière le mur, c'est ça ? Donc ici, si je me souviens bien... Enfin, si elle est pas. Je me disais, ça se trouve, il y a encore des trucs dedans. Là, il y a une autre, je pense. Il y a Il y a un truc ici. Et il y a une autre pièce avant qu'on va retourner après. Pourquoi je sais pas. Tu ressens quoi de... C'est plus chargé que tout ce qu'on vient de voir. D'accord. Il y a eu du confinement, c'est sûr, de personnes après. Enfin, c'est sûr. C'est ce que je ressens, du confinement de personnes après. Dans quel but ? Est-ce que c'est là qu'ils attendaient ? Est-ce que c'est là qu'ils... Vas-y, commence à me raconter l'histoire du blocos, du coup. Ici, majoritairement quartier des officiers allemands.
Donc, quartier y a... des officiels. Ouais. Ils avaient des. Ouais, ils avaient des postes de communication, donc enfin télécommunication. Il y avait a priori il y avait des prisonniers aussi. Blessés. C'est ça. Blessés, des blessés. T'as entendu un truc? Oui. Je crois que j'entends. T'as entendu pareil aussi. Blessés, morts, non. Mais prisonniers, oui. Un peu plus fort. Ouais. Tu te sens moins là. Hein? D'un coup, tu te sens moins là. Je sais pas, j'entends un peu plus de trucs. Il y a quelqu'un? Alors là, une pièce intéressante. Oui. Attends, je sens la lumière. Ici, c'était des bains turcs. Ouais, t'as encore des installations derrière, tu vois, t'as encore des ventes. Voilà. Ça résonne aussi pas mal. C'est loin. Alors, je sais pas pourquoi, du coup, si c'était que des vins turcs. Je me suis demandé un peu si c'était pas toi. Je sais pas si t'as. Je sais pas quoi tu penses. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui parlait. Non, c'est toi, attends. Très rapidement, une seconde voix est enregistrée. Celle-ci nous semble masculine et presque articulée. Là oui. Là oui. Mais parce qu'on est sous terre. Je pense, ouais, là c'est tu vraiment... Tu sais vraiment qu'un début d'acouphène, quoi. Et ça, en effet, c'est... Des quand tu commences à avoir des acouphènes, tu peux commencer à avoir des hallucinations auditives. Alors, attends, je pense vraiment que... qu'on a entendu des trucs. Faut que je retrouve la pièce, d'accord. Okay, c'était vraiment où, là-bas? La pièce, laquelle? Ah non, mais c'était là-bas. Il y a une pièce qui m'interpellait un peu. Là, on revient sur l'entrée. Ok, c'est là. On m'a touché la jambe. On t'a touché la jambe. Ouais. En fait, on m'a donné un coup là. Un coup? Ouais, carrément un coup. Ça, je me suis arrêtée, je me suis retournée, j'ai eu un coup là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Pourquoi vous faites ça? On vous fait peur? Vous voulez qu'on sorte, c'est ça? On est de passage, hein. On n'est pas l'ennemi. On vient vous voir justement. On vient voir si vous avez besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide? On va revenir tout à l'heure. Ouah! Non, c'est moi! Non, je ne touche pas! Mais non, je te dis, t'as pas entendu? Bah, qu'est-ce que t'as entendu? Une voix, carrément. Ah ouais? Oui. Bah, je suis un peu... Moi, j'ai entendu... Un truc dans le genre, c'est pour ça. T'as entendu, toi? Non. C'est vous qui nous interpellez? On va revenir tout à l'heure. Il faudra pas être agressif avec nous parce qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. On va rien vous faire. Au contraire, on vient pour vous aider. Oh, j'ai eu une sorte de... Putain, pourquoi ça m'a fait ça? Ça m'a fait... comme un flash noir là sur le côté. Mmh. Comme si quelque chose d'un coup allait surgir et... Comme si mon œil essayait de faire un autofocus. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Donc s'il vous plaît, pas d'agressivité ce soir. On est vraiment là pour vous aider s'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a peut-être des personnes qui veulent sortir. Ah, puis ça n'a pas été que la guerre ici, tu me dis. Ça a été après... Essentiellement occupé par les Allemands. Ouais, mais après, ça n'a pas été occupé. Après, je l'avais dit parce que... Non, c'est les manuscrits qu'on avait vus dans les archives. À mon avis, c'est un rapport avec l'école des femmes. D'accord. Donc, ils ont dû rapatrier une partie de documents ici, je pense. Donc, ça n'a pas... Oh, putain. Oh, putain. Oh, le con. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai pas pris de sous-vêtements. J'ai posé la même question. Après l'arrivée impromptue de notre cadreur, les filles reprennent leur sérieux. De suite, un son étrange est enregistré, peut-être en réponse à l'utilisation de la langue allemande. Tu parles allemand ? Non. C'est vrai ? Tu peux dire quelque chose, genre bonjour, tout ça ? C'est Guten Tag, de toute façon. Ouais. Guten Tag ? Wie geht's 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 ? Tu veux ? Bah c'est en français. Super intense. J'ai demandé à Chou de m'accompagner. Enfin, j'ai demandé à Chou de m'accompagner à l'entrée de la maternité parce que je suis pas à l'aise. Bah on va y aller nous. Ah. Alors la maternité, t'as deux accès. Je vais t'en faire voir un. Déjà. Là, c'est bien parce qu'on peut être proche des fenêtres. Mais de l'autre côté, t'as une ouverture de porte. Alors on peut pas rentrer parce que c'est vraiment délabré. Mais l'entrée, elle est intéressante. Ça, c'est habité, mais à puissance maximale. Ça n'a été qu'une maternité. Alors, je réfléchis. Ouais, maternité, essentiellement. Celui-là, c'est... Je ne sais même pas comment te l'expliquer, mais c'est presque une valeur sûre. C'est habité, c'est curieux. Derrière, il y a une partie de la prison qui est derrière, dans un bâtiment. Bon, on ne peut pas rentrer dedans, mais on peut toujours être sur l'extérieur. Où d'ailleurs, tu as encore les tables et les chaises à l'intérieur. Avec un gymnase qui était en face, où tu as encore la structure. Okay. Bon, tout est ouvert, quoi. Juste derrière, tu vois la porte, là. Enfin, tu vois l'ouverture des fenêtres, ici. Ouais. Donc derrière, on peut longer le mur, en fait. Ah, quand même. Ouais. Et l'entrée de la porte, elle est juste à... Enfin, la porte est juste à côté. Tu veux que je te montre ? Tu vois, déjà, là, on peut longer ici. Et là... Ah oui, on peut quand même rentrer un peu. Juste un peu, hein, tu vois... Genre là, parce que les plafonds, c'est juste pas possible. Donc faut faire gaffe. Mais en même temps, c'est tellement délabré que ce serait. Ah, ça, non, c'est trop dangereux. Fini. Puis ils nous ont. Déjà, ils nous autorisent à aller jusque-là, c'est déjà super. Et... Juste là, en fait, c'était ici qu'était l'hôpital canadien. Ah, ok. Et si tu regardes bien, au sol, tu vois même les démarcations des fondations, tu vois. Tu as deux lignes parallèles. Et à certains endroits, tu as encore peut-être la délimitation des pièces. Là où l'herbe est un peu plus claire.
Ça, c'est quoi devant ? Donc, ça fait partie des bâtiments de prévention, enfin, où elle venait prendre des cours, tu vois. Attends, par l'état, mais les chaises. Purée. T'as entendu ? Non, j'ai entendu. Toi aussi ? Franchement, non, j'étais concentrée ailleurs. Genre quoi, un bruit de déplacement Comme quelqu'un qui essaierait d'être discret, mais ses vêtements frottent le mur. Ok. Y'a quelqu'un ? Vous vous cachez ? Faut pas avoir peur de nous, hein. Je vais tendre le souterrain. Après les blocs, le souterrain. Bah, comme ça, je fais une belle entrée en matière et une belle sortie. Donc, si je ne me trompe pas, pour historique, c'était le 16e siècle. 16e ? Ouais. La citadelle, c'était 1530. Ok. Donc, c'était au tout début, vu qu'elle avait été construite justement pour faire, pour protéger la frontière. Avec les Espagnols, les envahisseurs espagnols. Donc la grille que tu as en face, en fait, c'est là l'accès de l'ancienne citadelle. Où tu as la prison pour femmes, avec la cour. Impressionnant, cette entrée quand même. Tu verras que tu as des grandes cheminées, vu que ça émettait pas mal de poudre pour l'évacuation de la poudre, tu as des grandes cheminées. Okay. Tu vois, quand tu vas sur l'extérieur, t'as un accès justement sur l'extérieur de la citadelle. Ah, c'était, ouais. C'était stratégique, quoi. Ouais, ouais. Ah. Et on vient de me pincer le dos méchamment. Mais c'est fou. T'es venue enquêter, toi, dans ces deux lieux ? Ah non. Pas ici, non. On va aller. Ah. Ça me chante, putain. J'espère que j'ai croisé. Je préfère avoir croisé une toile d'araignée parce que. Vraiment. De quoi ? Bah, ça m'a caressé le dos, mais je me suis dit que j'avais peut-être pu, tu sais, frôler un toile d'araignée ou. Tu veux pas arrêter si j'ai pas un truc dans le dos ? Est-ce que ça me. Ça, ah, toi ça, aussi, ça te fait ça ? Ah putain, ça me. Non, mais ça me lance là, j'ai ici là. Ça te coince ? Non, ça me lance, c'est comme si on m'avait. Je vais pas dire griffé, ce serait trop fort, mais. Touche pas, pardon, tu t'es fait piquer. Ah ok, d'accord. Non, en fait, j'ai l'impression. Bah t'es... Ouais, je me suis fait peut-être se piquer par un truc. Bah y'a pas de bouton. Ouais, mais ça me lance. Ça te lance ? Ouais. Là, on n'y a pas accès. Ok. Donc faudra pas y aller. Voilà, on comprend qu'il y a un écho parce oui. qu'on est haut sous plafond. Oui. C'est pour ça que c'est. De l'autre côté, c'est bizarre. Mm. Que te dire ici plutôt. Oui. Tu veux me dire quoi ? Donc, ici, lieu de vie, c'est là où on stockait les munitions, les rations, tout ça. Donc, j'ai rien dit. T'as parlé, Laetitia ?
Le courage. Oui, quelqu'un m'a dit. T'as entendu quelqu'un? Quelqu'un m'a dit, oui, c'est sûr, si c'est pas vous. Ah, bon, je rien dit. Ah non, que dalle. Ah putain, ok. Tu veux que je vienne avec toi ou pas? Je pense que ça venait de là, du coup. Bonsoir, bonjour. On perd un peu la notion du temps. Je crois que vous m'avez interpellée. N'ayez pas peur de moi, parce que là, si je vous ai bien entendu, je vous regarde pas volontairement, vous êtes dans le coin, je pense. On va venir ce soir pour rencontrer les gens qui ont besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le dire. C'est vous qui m'avez appelé ? Vous voulez me donner votre prénom ? Moi, je m'appelle Vanessa, il y a Manuel Coin et Laetitia. Est-ce que c'est votre nom qui est écrit sur le mur ? J'ai rien fait. Je suis désolée, j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as eu ? On m'a touché. C'est vous ? Il y a pas mal de courants d'air, enfin, tu sens vraiment le... Toi, t'es toujours dans l'entrée de la citadelle. Donc là, après, c'est une sortie, mais je crois pas qu'on puisse sortir par là. Donc on pourra pas y aller. Ouais. Ok. Où tu le trouves, ce souterrain ? Il est un petit peu plus serein que le blocos. Clairement, la pièce là, surtout, c'était... il y avait quelque chose, je pense. Donc, on a fait le tour. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Ah oui, on peut faire le tour. On fait le tour, bah justement, c'était vraiment pour bien encadrer. D'accord. Et je coupe. On vous a un peu ralenti dans notre progression, on va dire. Qui a fait. T'es d'accord avec ce que je viens de dire ? Tu parles de quoi ? Je dis, on nous a ralenti dans notre progression. Mais de quel endroit ? Progression, parce qu'on a. Vous avez été long, je dis, oui, mais on a été un peu ralenti dans notre progression. Ouais, il s'est passé des choses. On a commencé par le blocus qui est hyper intense en termes de ressenti. Il y a une pièce qui m'a semblé être une pièce de rassemblement, mais pas hostile, pas où il n'y avait pas des gens effrayés, mais plutôt des gens. Soit des gens qui dormaient, soit des gens qui travaillaient, voilà. Donc c'était mais vraiment une pièce chargée de gens. Et on a entendu à plusieurs reprises chuchoter au loin, elle s'est fait toucher, elle s'est fait, même fait taper en fait. Elle s'est fait taper ? Ouais. Ouais, la cuisse derrière la cuisse. Et au souterrain, la grande pièce qui fait cathédrale, ok, d'accord. Il y a deux petites alcôves, deux petites pièces de super-entrée, donc je suis rentrée dans une première, j'ai entendu « hey ». Enfin, voilà, très clairement. Bah du coup, c'était nous hier, les souterrains. Voilà. Il y a eu, tu sais, plein de petits trucs, mais c'est des trucs où à la fin de la soirée, tu te fais bon, ok, il n'y a rien eu, c'était super. Ouais, calme, oui, oui, vraiment, on est blasé. Mais là-bas, cathédrale, donc au souterrain et tout, dans une des alcôves, à un moment, on faisait de la provoque passive audita. Donc on était complètement dans le noir, on a tout éteint. Team courageuse. Et Chou a. Tu t'as dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, enfin, tout d'un coup, t'es, elle m'a dit, rallumerai une ta lumière, machin. Et il y a quelqu'un. Ouais.
une présence tout près, tout proche de moi, enfin quand même un truc qui il passe devant moi. Ah ouais, ils ont pas peur. Mais après, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était pas conscient. Ouais. C'est parti très vite. Okay. Et en gros, toute la soirée, les trucs qu'on a eu, c'était ça, c'est-à-dire il y a peut-être quelqu'un, mais il n'y a pas de communication qui s'est faite. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a pas de lien qui s'est établi. Okay. Dites-moi hein, si je me trompe les meufs. Hein. Mais hier, on est reparti en se disant... Il bon, n'y a rien. Ouais, non. Pas il n'y a rien, on n'a rien eu. Moi, ça a été le ressenti, là, vraiment été dans les souterrains. Parce qu'il y a aussi ce côté hyper angoissant, claustro, etc. Donc, t'es, okay. t'es déjà pas au top, quoi. Et particulièrement au deuxième étage, je vous l'ai dit, je me suis dit là... J'étais vraiment plus, ouais, plus angoissée. J'ai tout de suite pensé à la. Enfin, je me suis tout de suite dit ah là là, dire qu'il y a des gens qui sont morts ici. C'est... Ouais. Et c'est souvent dû aux gens, à l'énergie que nous on va apporter. Ah ouais, clairement. Donc si ce soir on apporte la bonne énergie. Alors c'est quoi la bonne énergie? S'il y a une bonne synergie entre nous et que ça circule bien et qu'on offre l'énergie, et bah. Voilà. Tiens, on dit tout le temps des groupes de gens qui font ce qu'on fait. Il y en a beaucoup qui se forment. C'est très, très, très compliqué, je pense, d'arriver à un moment où tu sais que là, c'est ton groupe. Ouais. Ça y est, t'es un groupe, on est tous un groupe, on est toutes un groupe. Et ça, c'est un truc qu'on a là avec tous les gens qui sont là. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. On sait que nous toutes, déjà l'une, c'est con, mais on travaille très bien tout ensemble, on se connaît, on sait qui fait quoi, on sait... voilà, Vanessa, on sait, des fois, elle dit des trucs, on sait qu'il faut qu'on l'écoute, on sait qui ressent quoi. Il y a cette espèce de truc où, bah voilà, on est toutes potes et tout, et on est heureuses d'être là. Et ça, c'est vrai que ça crée un peu un coup de chance, parfois. On se fait surtout énormément confiance. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'écoute. Mm. Quand il y en a une qui va pas bien, on voit. Si, enfin, des fois, on n'a pas besoin de parler, juste un regard. C'est clair. Ouais. Okay. C'est clair. On parle pas, je regarde. Mm. Par là, bonjour, ma petite personne. Alors, quelle bonne idée d'avoir mis des silhouettes. Oui, c'est beau. Oui, oui, c'est un peu beau. Ah, j'ai attendu la nuit. Bonsoir. Gauche. Pour débuter notre deuxième nuit d'enquête à la citadelle de Doulan, nous tentons une expérience. En effet, nous avons remarqué que c'était souvent lors de moments de détente que des phénomènes paranormaux se produisaient. Nous avons donc décidé de tester la chose suivante. Les filles vont discuter de la citadelle, mais sans réellement faire de provocation, pendant que Chou et moi allons rester en retrait, tentant de rassembler nos forces pour créer comme une poche d'énergie et aider une entité éventuelle à interagir. Et vous, vous me mettez sur le côté, je pense qu'on s'assoit là, Je te le laisse. D'accord. Oh, j'ai appuyé quelque part. C'est bon. Donc nous, tout à l'heure, on a entendu le « hey » à l'intérieur. En fait, tout à l'heure, quand on passait par là, tu vois, l'atmosphère, elle n'était pas pesante, à part dans cette pièce. Elle était plutôt normale. Donc là, je ressens exactement la même chose. Mais tu sais, ce fameux normal qui... où tu sais que c'est pas, voilà, on n'est pas non plus seul et que c'est un lieu qui est quand même chargé, mais encore trop faible peut-être, tu vois. En observation, tu vois, ce genre de moment-là. Tu crois qu'il dit ça en fait, que là on est en train de faire quelque chose? Bah, je pense que ça dépend justement des entités. Entre autres, lui, je pense qu'il ne sait pas. Et que lui, il est toujours dans son époque. Et qu'il nous voit comme vraiment des personnes qui ne sont pas censées être là. C'est pour ça que moi, je l'ai ressenti comme vraiment une... T'as rien à faire là, quoi. Vraiment, j'ai pas pu mettre un pied, tu l'as bien vu. Mm-hmm. Toi, t'es pas bien. Bah, depuis tout à l'heure, t'es pas sereine. Mais qu'est-ce que tu ressens du coup? Franchement, on nous observe beaucoup. Ouais.
j'ai le palpitant qui... Ouais, qui est parti. Je suis pas plus stressée que ça. Pas plus qu'à l'habitude en tournus, quoi, mais... Il y a quelqu'un. C'est clair. Et je dirais qu'il y a une personne plus forte que l'autre. Oui, c'est elle. Parce que je suis dos en plus, A et... C'est elle, mais elle... Tu veux pas essayer de te mettre face? Non. Juste pour voir si, si ça te fait une chose de dire comment tu as senti. Oui, donc Cindy, toi, tu sens comment? Non, mais je suis un peu stressée dans cet endroit parce que ouais, l'atmosphère, elle est, il fait hyper froid. On a perdu, je sais pas, 12 degrés, 15 degrés depuis beaucoup de degrés, ouais, complètement. Et il y a plein de petites pièces glauques, noires. Donc, ouais, est-ce que tu te sens aussi observée ou... Je ne saurais pas plus dire. Ouais. En fait, le fait de parler, ça me permet de... Pour le coup, je ne lâche pas du tout prise, donc du coup, ça me protège un peu, quoi. Mais justement, c'est un test. Parce que d'habitude, on est plutôt en mode, oui, comme tu as testé hier, lâcher prise, écouter, se concentrer sur les bruits. Et là, on s'est rendu compte sur beaucoup, beaucoup d'enquêtes que souvent, quand on était en détente, ils en profitent parce qu'ils sont un peu taquins. Et aussi parce que je pense qu'on doit donner aussi beaucoup d'énergie à ce moment-là, parce que justement, on n'est plus en détente, mais on est complètement excité, donc il y a plein d'énergie qui se passe. Et c'est là qu'on a beaucoup de phénomènes et qu'on peut avoir des bruits qui vont surplomber nos bruits, mais souvent, c'est là où l'analyse est compliquée après. Si on est en train de parler et qu'il y a un PVE par-dessus, c'est très complexe. Mais là, en termes de ressenti, du coup, c'est cool de voir ce qui peut se passer. Mieux, Manu. Toi, non? Ça va. Toujours pareil. Mais c'est cette pièce, ouais. Il y a quelqu'un comme ça. Je sais pas, Imagine. Oh, c'est moi. Non. Ça vient de la pièce. T'entends un O? Soit un O, soit ça a tapé. J'ai entendu un O. Oui, ouais, ça. Taper, oui, mais c'était. Ça, c'est dehors, mais par contre, oui, là il y a quelque chose. Je sais pas, est-ce qu'on continue le test, on n'interagit pas? On laisse ça faire ou... Ouais, pour l'instant. Ouais, on va continuer. On va faire comme si. Ouais. Ok, mais c'était intéressant, c'était fort. Après, moi j'avoue que je suis. J'ai sans arrêt envie de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un, ouais. Et donc, on avait vu qu'il y avait les clous surtout. On se demandait. Toi, tu pensais plus de ce côté-là? Bah, du coup, comme moi, je l'ai entendu là. Après, des clous, il n'y en a pas d'autres ailleurs, s'il y en a eu là. C'est des petits clous, donc. Ah non, là, c'est quand même des gros clous. Ah, non, ça, c'est ça. Ah, oh, waouh! Wow. Ok, très bien. Putain, je viens d'entendre le hey. Je viens d'entendre le hey là. Ça va? C'était quoi? Non, on a tapé très fort. Un truc est tombé, on a tapé très fort. C'était là? C'était par là? Moi, je l'ai entendu à l'extérieur. Ah non. C'est vrai, tout terrain, c'est sûr. Okay. C'est hyper fort. On a tapé contre un truc. Ouais, c'est ça. On a tapé, je crois. Non, mais on a crié en même temps. On a toutes crié, je crois. Ouais. Je sais pas du coup. Quoi? Ouais. Impossible de trouver d'où vient ce bruit tonitruant qui a fait sursauter tout le monde. Le volume entendu sur le coup est énorme, bien plus que celui enregistré par nos appareils. Ah!
oui, si c'est un coup, c'est bien. Moi, je te dis que ça fait comme une détonation, clairement. Pour moi, c'est pas assez fort. Ça aurait beaucoup plus résonné, surtout dans un... Une détonation étouffée, enfin... Surtout si je peux me permettre, une détonation, il y a toujours un écho. Ça fait clac, et après t'entends le deuxième clac, et là, il n'y en a eu qu'un seul. Vous voulez retourner là ? Bon, du coup, ça nous a un petit peu... On peut tenter le Gansfell. Alors moi, j'aimerais me mettre au milieu de vous. C'est-à-dire que vous pouvez former un cercle autour de moi et... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des allers-retours devant moi ? Non, si tu m'entends, non. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Putain, c'est horrible. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des allers-retours devant moi ? On ne fait pas d'allers-retours. Je t'ai dit, putain, c'est horrible. Tu m'entends vraiment pas, je t'ai dit non. D'accord. Alors, ok. Il y a vraiment quelqu'un qui... Ok. Alors, il y a quelqu'un qui est très impatient ou très... Vas-y. Vous pouvez communiquer avec lui. Donc, comme vient de dire Vanessa, a priori, elle a l'impression que quelqu'un fait des allers-retours. Pourquoi vous êtes impatient ? Que vous pouvez dire à Vanessa pourquoi cette impatience. Allez-y, verbalisez cette impatience. Non. Mettez un mot sur cette impatience. Communiquez-le. C'est horrible. Pourquoi vous êtes... Vous êtes où ? Touchez-moi les mains, vous êtes où ? Ok, d'accord. S'il y a quelqu'un qui est là et qui passe devant elle, comme elle le dit, est-ce que vous seriez capable de taper dans cette lampe ? S'il vous plaît, faites-la bouger ou éteignez-la. Est-ce que ça vous rend mal à l'aise qu'on soit là ? Pourquoi vous faites des allers-retours comme ça ? On vous rend nerveux ? J'entends quelque chose qu'on traîne, comme un gros truc métallique, mais qui roule. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de déplacer quelque chose autour de nous ? Quelqu'un m'a dit oui ! Quelqu'un a dit oui ? Non. Est-ce que c'est vous qui traînez quelque chose ? Si vous essayez de déplacer quelque chose, je vous le répète, j'ai posé une lampe là au sol. Est-ce que vous seriez capable de déplacer cette lampe, s'il vous plaît ? Je l'ai posée exprès pour vous, c'est pour vous, allez-y. Est-ce que vous pouvez dire à Vanessa si vous traînez une malle de munitions ou de rations ? Vous pouvez simplement lui répondre par un oui ou pour un non, ou par un non, pardon.
Est-ce que vous êtes en train de charger des munitions ? Est-ce que vous êtes en train de ranger des rations alimentaires ? Est-ce que c'est pour nous dire que c'est bien des rations alimentaires qu'on entend ce bruit ? Est-ce que vous pouvez le verbaliser à Vanessa ou refaire un bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez donner votre identité à Vanessa ? Ou votre matricule ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? C'est infernal. Ça va, Manu ? Il y a un truc là qui était là. Il y a une voix là. On peut vous aider peut-être. Il faut juste nous guider. Nous faire part de votre présence. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un coup ? Est-ce que c'est pour confirmer à Cindy que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous pouvez reproduire ce bruit ? Ou essayer de parler à Vanessa ? Je vous entends pas, vous parlez, vous êtes trop loin. Il faut que vous rapprochiez pour que je vous entende bien. Vous parlez plus fort. Oh ! Qui est passé derrière moi ? Personne. J'ai soufflé. Oui. T'es pas passé derrière. Non. Il essaie de se rapprocher, je pense. Est-ce que vous essayez de vous rapprocher ? Est-ce que vous arrivez à voir Vanessa ? Putain. Courant d'air froid dans mes jambes. Tu le sens ou pas, Cindy ? Oui. Notre expérience groupée touche à sa fin. Elle a été forte en émotions et en phénomènes. Les tournus de la nuit 2 vont débuter. Et nous sommes toutes déjà un peu sur les nerfs. Alors, on prend pas de dicta, on prend pas de... Non, non, parce que vous allez parler. Si jamais je dis quelque chose, vous réagissez. D'accord. Donc à 5. Ça marche. Quelqu'un à l'heure ? Oui. Bon. On n'est pas prendre ta lumière rouge, Anna ? Bien sûr, tout à fait. You're welcome. C'est sympa ce petit bruit de... D'accord. De fumée. Ok, je mets le son. Je te laisse guider, je te suis. Hein. Oh, oui. J'ai du mal à imaginer une chapelle ici, en fait. C'est comme tout à l'heure, on nous expliquait que là-bas, en fait, il y a l'ancien hôpital canadien. Ouais. Et le mec qui était là nous a raconté plein de trucs, c'était super bien. Et en fait, il n'y a plus rien, il y a juste les fondations par terre. Et pareil, ouais, quand tu t'imagines ça, bah déjà, la maternité, elle est hyper impressionnante, mais en fait, tu te dis, mais ce lieu, il devait être incroyable à l'époque, quoi. Ouais, c'est clair. Et à la maison, il y avait un séminaire qui était une prison pour des politiciens, dont le frère de Louis XIII, si je ne me souviens pas, qui
qui était emprisonnée. Ah, ok. Peut-être mettre nous. Peut-être là. Ouais, peut-être nous. C'est ce que... Attends. Je vais vous dire quand j'entends plus. 3, 2, 1. Je vous entends plus. Donc là, nous, on est censé parler, c'est ça? Parler de tout et de rien. Ouais. Est-ce que vous êtes venu ici hier ou pas du tout? En fait, on devait passer de l'autre côté. Ouais. Sauf que bah, c'est fermé, donc ouais. Ça fait longtemps, on n'est pas resté, on est pas resté ici. Ok. Donc après, la prison pour femmes, c'était apparemment partout. C'était pas... Ah oui, c'est ça qui est impressionnant. Ça, enfin, je crois combien de femmes devait y avoir. C'est fou, hein. C'est dingue. Et ça a été une maison de redressement aussi pour jeunes filles. Ah ouais. Ah, donc c'est, ouais, c'est hyper fort, quoi. C'est hyper intense. Ouais. C'est... Je sais pas si c'est la première fois où on est sur un lieu, mais il y a eu autant de passages de femmes. Là, en tout cas, l'atmosphère, elle est plutôt normale. Ouais. Après, si elle arrive à se connecter à la pierre, elle peut avoir... elle peut recevoir des messages. Ouais. Moi, je suis un peu... méditative, pardon, méditative. Le côté redressement pour jeunes femmes, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me dire que c'était un centre de redressement comme on peut l'entendre aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai plus l'impression que c'était des femmes, des jeunes femmes, qui étaient mises ici de force pour X ou Y raison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas clair. C'est ça, il y a des périodes de l'histoire qui sont toujours un peu troubles. Puis évidemment, toujours, on se rend compte que les archives se perdent. Dans ces cas-là, donc tu n'en sais pas plus. Et sinon, depuis le début, tu sens quand même... Dans le lieu. Il y a des... Ça, c'est par endroit, en fait. Oh. J'entends parler, mais loin. C'est pas nous, parce que nous avons entendu. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens ? Est-ce que vous pouvez parler plus fort pour que Manu vous entende ? N'hésitez pas, vous pouvez délivrer votre message. Elle va vous entendre, justement. D'accord. Voilà. On va voir quand il se passera quelque chose. Elle va se lancer en fait. Du coup, j'essaierai bien de demander, par exemple, s'il peut nous donner un prénom. Mmh. Tu vois. Genre faire comme une séance de dictat, mais. Est-ce que vous pouvez essayer de canaliser votre énergie pour essayer de faire vraiment des mots ? On aimerait par exemple connaître votre prénom ou votre âge. J'ai lu Hervé, mais... Renaud, Sena, Sartre. Est-ce que vous pouvez essayer d'aller en bas à gauche de la feuille ? Comment vous appelez ? Dites-le nous, s'il vous plaît. Essayez de faire des lettres bien distinctes. Mmh.
Essayez de vous débattre. Voilà, très bien. Voilà, essayez d'écrire quelque chose bien distinct pour qu'on comprenne. Gérard. C'est la première fois que je teste une séance d'écriture automatique en essayant de faire l'intermédiaire entre les questions posées par les filles et les réponses des fantômes présents. C'est pourquoi je suis très étonnée d'avoir obtenu ce prénom, Gérard. Alors que je le rappelle, je n'entends pas Laetitia et Cindy poser les questions. Il s'agit donc pour moi d'une grande réussite. Trans, danse, treuse. Non, 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 canalisez-vous. Est-ce que la danse, c'est quelque chose d'important pour vous? Oui. Est-ce que vous aimez danser? Faut surtout pas que vous nous en veuillez si on comprend pas tout de suite ce que vous voulez écrire. Et vraiment, ça a été comment dans les sous-sols, le truc avec Valette? Vous vous sentiez comment? On se sentait observé. Ouais. On sentait que c'était... Ça chuchote. Putain, c'est pas nous. Ça chuchote. Vous êtes autour de nous? On vous intrigue peut-être? On est venu pour vous, hein. On est venu pour savoir si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi, je m'appelle Vanessa, il y a Laetitia avec moi et il y a Manu qui vous entend. Si vous voulez qu'elle vous entende, il faut parler très fort. Vous avez parlé? Enfin... Oui, entre nous. Du quoi? T'as entendu quoi? Voix d'homme? Ah non. Ouais. Non, plus quelqu'un qui marmotte, ça fait assez... Quelqu'un qui marmonne. Oui, est-ce que les gens qui marmonnaient... Que... Alors, t'as dit un homme. Il y a un homme qui marmonnait, mais c'était... Enfin, il n'y a rien de... Je peux pas te dire ce qu'il disait, c'est ouais. Un mec qui marmonne, quoi. Et quand tu dis chuchoter, c'est genre des personnes entre elles qui chuchotent et... Alors, je dis chuchoter, mais plus, enfin, c'est pas chuchoter, c'est-à-dire que c'était hyper loin, quoi. J'entends ouais. Comme une petite conversation, mais très loin. Ok. J'ai entendu, mais pas les mains, et où ça va? Où ça va? Genre, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on... Où ça va? Ah d'accord, oui. Un objet, où est-ce qu'on met ça? Où est-ce qu'on pose ça? Et mais pas les mains plusieurs fois. Et j'ai entendu parler en anglais. Ouais. Ah bah tiens, c'est marrant. Ouais. J'ai entendu parler en anglais. Bah tiens, vas-y. Bah moi, j'ai lu clairement dans un des trucs les plus clairs qui a été écrit, il y a « your ». Donc, close your eyes, machin, your dream, j'en sais rien. Et il y avait beaucoup de danse, trance, ou plutôt vers la fin, pas au début. Mais... Et du coup, je me suis dit, bah tiens, est-ce que. Parce qu'elle parle pas en anglais, quoi. Du coup, j'ai parlé en anglais. Et vous avez parlé? Moi, oui. J'ai juste dit. En fait, on a essayé de faire comme une séance de dictat avec toi. C'est-à-dire de poser des questions et de voir si ça répondait à nos questions. Je rentre. Ok. On a demandé un prénom, on a demandé une date. Moi aussi j'ai demandé un prénom. Là il y avait plein. T'as écrit trois fois la même chose. Alors on a cru. Gérard. Ah bah Gérard, ouais. Tu vois, on l'avait dit. En fait, on a essayé. Ça commençait danse, tu vois. D-A. Ah, dose, oui, D-A. Dose, t'as raison. Danse. Ouais. Et en fait, on demandait aussi que ça se déplace à un endroit où. Ouais. Et ça, c'est pratiquement les mêmes mots que. Free. Ah bah dance, main. Encore, hein. J'ai entendu, mais pas les mains. Mmh.
Aurette, enfin... Ouais, le ou thé, il y avait un thé clairement, thé. Mais bon, c'est... Ou alors ouais, c'est neutre, ça que t'as interprété en neutre. Arrête. Ah ouais, ou... Arrête. Arrête, mais alors il y a une erreur, il y a une faute. Pas français. Bah ouais, mais bon, en même temps, si la personne était pas forcément... Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis ça, j'écris des livres, je ne fais jamais d'erreur. Oui, oui, non, mais oui, oui. Rentre. Je rentre. Je rentre où ? Je rentre. T'as senti que c'était le Gérard qui te disait ça ou non, ça, parce que c'était une voix très jeune et je pense que Gérard n'est pas jeune. D'accord. Si vous m'entendez, est-ce que vous seriez capable, là, si c'est vous qui avez dit je rentre, est-ce que vous pourriez essayer de laisser la réponse là sur cet appareil ? Où est-ce que vous rentrez ? Où est-ce que vous rentrez ? Non, mais sans déconner, vous avez vraiment demandé s'il parle anglais ? Oui, ouais, moi j'ai lu your dream, your dance, your je sais pas quoi. Putain, c'est con. Il faudrait qu'on invente un appareil qui, en même temps, enregistre ce que vous dites. Et enregistre ce que moi j'entends. Ouais. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'est mis à parler anglais. Parce que j'ai entendu comme quelqu'un qui parle anglais, mais comme un animateur radio anglais, ouais. Quoi, tu vois. Ah, oui. J'ai entendu quelqu'un qui parle seul. Alors je dis un animateur radio, pas forcément, mais quelqu'un qui parle dans un micro en anglais. Ah, ça peut être une transmission aussi. Ouais, ça peut être une transmission, ouais. C'est moi ou c'est hyper paisible ici. Mais ce qu'on dit hier, quand on était dans le truc là, on était genre. On n'a pas peur, hein. Dans le canapé, quoi. Non, ouais, c'est ça. Enfin, on est quand même en extérieur dans des ruines, on est capable d'éteindre la lumière et de rester ouais. Comme ça sans avoir peur, quoi. Ouais, mais tu sais que j'ai moins peur en extérieur que ici que de... Que ouais. Même souterrain, bâtiment... Je suis plus rassurée bah ici, ouais, d'être en extérieur, plus... ouais. C'est bizarre parce que, enfin, d'habitude, c'est l'inverse, on a plus peur quand on est en extérieur. Ouais. Gérard, je vous le dis, juste si vous êtes là et si vous nous entendez, là, on va se déplacer, mais on va continuer à faire des tournustes là dans la citadelle. Donc, si vous avez essayé d'entrer en contact avec nous et si vous avez encore des choses à nous dire, vous pouvez tout à fait nous suivre. Je ne sais pas si vous pensez que vous êtes bloqué ici, mais vous ne l'êtes pas. Donc, vous pouvez tout à fait, si là vous avez tenté une communication mais qu'on n'a pas réussi à aller au bout, vous pouvez tout à fait nous suivre et essayer d'entrer en contact avec nous dans les autres tournustes. Ce sera avec plaisir. Ça fait l'air super grave. Ouais. Grave. Ou très paisible. Ouais. Bah, non, mais c'était vraiment calme. D'accord. Et vous ? Du coup, j'ai fait une structure automatique. Puis avant, je suis coupée. Okay. Et du coup, après, on a fait une séance de passive en anglais, vu qu'on y était. Okay. Voilà, on a essayé de. Voilà, puis on a fait. On a fait aussi Francis Cabrel. Là. On a fait aussi La Nuit du Chasseur, reprendre Francis Cabrel. Available on iTunes. T'as fait. Bon, je ne dis rien, voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de Céline. Je l'aime à mourir. Gérard. Et vous alors ? Eh bien, Manu s'est mis le bruit blanc. Ouais. Elle s'est installée près de la grille. Nous, on a. Parler de la citadelle, nos ressentis, tout ça, machin, plus une discussion comme ça. Et Manu, à un moment, t'as entendu chuchoter, donc elle nous l'a dit. Non, alors pas, je disais chuchoter parce que c'était très faible, mais je pense que c'était des gens qui discutaient au loin. T'arrivais à savoir en quelle langue en... Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Rien de fou, je disais à Vanessa que. Je lui demandais si. Parce que des fois, je ferme les yeux. Et je me demandais si elle mettait ses coups de lampe, des coups de lampe devant moi, en fait. Donc elle me dit qu'elle éclairait autour, mais enfin, c'est ce que tu me disais. Hein, oui, on n'est pas... Pas directement sur moi, mais j'ai l'impression de voir des... Mais tu vois, je disais que c'était hyper intéressant, parce qu'elle a l'air d'avoir vécu ce que j'ai vécu, sauf qu'elle n'avait pas les balles de ping-pong. Ah oui, avec le... Ouais, ok. Elle avait juste les yeux fermés, et je disais finalement, peut-être que le bruit blanc... En fait, on aimerait bien que quelqu'un d'autre teste au cours de la soirée. Peut-être que le bruit blanc provoque un truc sur l'oreille interne qui fait qu'au niveau de la vue, ça te provoque des sortes de... Tu vois, de flash, ou je sais pas, ou ton œil peut-être que... Peut-être que l'œil à ce moment-là il est hyper actif ou j'en sais rien. Et c'est ça corrobore en fait.
Ah oui, moi, pour moi, quelqu'un passait clairement. Pour moi, c'était vous, de toute façon. Au début, je me disais, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de marcher autour de moi comme ça, là, par devant? On sait la faire en bas. C'est pas ça? La canne. Mais tu vois, moi, là, avec le bruit blanc, j'ai pas eu du tout cette sensation. Mais t'avais les yeux fermés? Non, j'avais. Normalement, je me la mets là, la lampe, mais là, je pouvais pas. Donc, j'étais assise, je me laisse coller là, et j'ai fait comme ça. Mais tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait pas de mouvement, tu vois. Enfin, en fait, vous étiez où? Bah, à côté de toi, en fait. Il y a juste un moment où j'ai bougé pour changer ta page. D'accord. Et après, je suis revenue, on était à côté, là, au même endroit que tu nous as trouvé, au même endroit où on s'est quitté, au même endroit où on s'est retrouvé. Alors, du coup, tu vois, c'est assez rigolo parce que du coup, moi, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous étiez à côté de moi, mais moi, j'avais l'impression que vous étiez super loin. J'ai cru que vous étiez partie à 3 mètres. Ah non. 3 mètres, non, t'as pas. On s'est même plus rapproché, en fait. À la base, on était plus loin et on s'est rapproché. Quand je faisais le truc. Des fois, j'avais l'impression que c'était pareil, que c'était pas là. Non, non, parce que t'as un sentiment de solitude, hein, quand t'es rentré dans toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok, alors, il y avait un truc hyper chelou. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Il est minuit 10, hein, juste comme ça. Est-ce que c'est possible que les lumières de toute la ville puissent s'éteindre? Parce qu'on est d'accord qu'on a vu sur la ville d'ici, en fait. Bon, pour vous dire, entre toi, t'étais là, Laetitia, oui, entre les deux Laetitia, donc moi j'ai vu sur la fenêtre. Et je voyais au loin comme une sorte de boule de lumière, mais pour moi c'était les lampes de la ville en fait. Et puis j'arrivais pas à voir, c'est ce que j'essayais de voir, si Laetitia bougeait ou pas, parce que j'ai l'impression qu'elle bougeait un peu. Puis là, bah, comme tu peux le voir, c'est tout noir en fait. On va voir, besoin de voir si on voit les lumières de la ville. Bah non, là on les voit plus. Non, non, si tout d'un coup on voit un lampadaire, ça veut dire qu'on sait qu'à peu près là-bas il y a des lumières de la ville. Parce que t'éteins pas les lumières de toute la ville en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais on a mais en plus, il y a un mur. Mais non, mais il y a un mur. Bah, parce que j'ai vraiment vu un truc alors. J'ai vu une grosse boule de lumière orange, quoi. Ah, mais regarde, c'est pas il y a des trucs qui s'éteignent. Les trucs qui clignotent rouge. Bah, je me rassure, vas-y. Je crois que tu le vois pas plus. Après, c'est pas rouge. Ouais, c'est pas rouge. Et il y en a deux, donc. Meuf, j'étais sûre que c'était la ville en fait. Quoi. Est-ce qu'il y en a une qui peut aller prendre une lumière, aller vers le mur, et Vanessa, tu vas nous dire stop quand elle est au bon endroit. En plus, une lampe de camping. Ouais. Oh, c'était fou. Putain, je suis dégoûtée. En plus, ça commençait à faire des mouvements parce que je me suis rendu compte que tu bougeais pas. C'est pour ça que j'ai essayé de regarder. On les voit pas du tout là, on est d'accord. Hein. Ok, ouais. Ok, donc là ils sont là. Putain, c'est vraiment le mur quoi. Oh, c'est fou. La distance. Faut qu'elle. Continue. Et non, je sais pas s'ils nous entendent. On va crier. Stop, là, continuez. Oh, marchez encore un peu. Continuez encore. 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 À hauteur de Joanne. J'ai vraiment vu ça. La même boule en orange. À cette hauteur-là. Putain, je suis dégoûtée. Mais vraiment gros comme ça. Hein. D'accord. C'est les femmes, tu sais, pour leur éducation, le centre de détention où elles prenaient leurs cours de. D'accord. D'écriture, mathématiques, machin. Enfin. Est-ce qu'il y a encore des femmes dans cet établissement? Il y a des moutons. Paris, Mireille.
sang, enfin, c'est énorme. Bonsoir, on était là tout à l'heure, on est venu avec Manu et on vous a dit qu'on allait revenir justement pour s'adresser à vous et pour voir si vous avez besoin d'aide, si vous avez un message à nous transmettre. On vous a précisé aussi qu'on n'était pas l'ennemi. On est là de passage et on est vraiment là pour communiquer avec vous. D'ailleurs, on a ramené quelque chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui en veulent, on a ramené du chocolat. Peut-être que vous avez faim. Et on a aussi, pour les personnes qui le souhaitent, parce que ça, vous devez en manquer aussi, en plein rationnement, des cigarettes. Est-ce que quelqu'un veut fumer? Est-ce que quelqu'un veut une cigarette? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre. Est-ce que quelqu'un veut fumer? Est-ce que quelqu'un veut une cigarette? Si ça, c'est là où je sais pas si c'est les acouphènes. Mais genre, si je me concentre, enfin, ou si je veux pas trop, j'ai l'impression d'entendre comme un brouhaha, c'est ce qu'on disait avec Manu. On a l'impression d'entendre un brouhaha, vraiment loin de personnes qui parlent. Moi, j'entends un silence qui fait mal aux oreilles. Ouais. Des fois, le silence, justement, c'est ça que j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que le silence m'appuie sur les timbres. Oui, c'est ça. T'as une pression. Mais il y a une pression ici. Je pense que c'est le fait qu'on soit sous terre. On a l'impression qu'il y a un brouhaha, vraiment loin de personnes qui parlent. Mais... loin de personnes qui parlent. Mais... comme lors de la visite en journée, les phénomènes s'enchaînent rapidement. Mais les filles ne les entendent pas. Et elle pense que le blocos est retourné à son silence. Do you speak French? Do you speak French? Au fur et à mesure, moi, je me sens moins mal à l'aise que dans les souterrains. Dans les souterrains, j'étais quand même tout le temps pas bien. Oui, c'est vrai. Même après, là, c'est vraiment juste, dès qu'on arrête de parler, ça m'appuie sur les tympans, le silence, il est juste, c'est un truc de fou. Oui, il fait presque mal. Là, tu te dis, si t'entends un bruit, là, par contre, c'est qu'il y a un truc, enfin... ouais, là, tu sais que ça vient de dehors, ouais. Tu vois. Mmh. Ouais, peut-être. C'est bien ce que t'entends. Quelqu'un se racle la gorge. Non. T'as entendu quelqu'un se racler la gorge? Au fond? Je suis pas sûre, ça se trompe, c'est moi. Mais... est-ce que vous êtes là-bas? Faut pas avoir peur de nous, hein. Faut pas avoir peur de nous, hein. Faut pas avoir peur de nous, hein. Faut pas avoir... merci en tout cas, merci, si vous nous avez entendu. Ainsi se finit cette deuxième nuit d'enquête à la citadelle de Doulan. Nous sortons de ce tournage lessivé, mais heureuse et surtout honorée d'avoir eu la chance d'enquêter en ce lieu chargé, qui restera longtemps gravé dans nos mémoires. Nous repartons également avec de nombreux phénomènes enregistrés, dont quelques PVE extrêmement clairs et des sons impressionnants. Faut pas avoir peur de nous, hein. C'est un bel endroit. Ouais. Chargé d'histoire. Peut-être qu'on reste un peu sur notre fin. Ouais. Il y a un truc pas abouti, en fait. J'ai un truc tout pas de il y a un livre qui est ouvert, mais il reste les pages à écrire. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de réelle communication et de réel échange. Donc on sait pas trop, au final, ce qui est resté ici. Et... si c'est de la mémoire, si c'est bloqué, si c'est... j'ai l'impression qu'ils ne nous voyaient pas, on les a croisés, on a été au bon moment, au bon endroit, mais c'est tout, quoi. Ouais.
T'en as pensé quoi, toi, ma bichette? Alors là, tout de suite, je suis épuisée. Ouais. Moi, j'ai passé un super week-end. Et même si, ouais, en effet, j'ai pas vu de voile blanc et de, j'ai pas entendu de voix. Et... Bah, en fait, rien que d'être dans ces lieux, c'est un truc de fou, en fait. Donc, avoir la chance d'être là la nuit, et je me suis très étonnée à ne pas être aussi angoissée que ça, en fait, au final. Parce que aussi j'ai confiance en vous, et parce qu'en fait le lieu est sur certains aspects hyper inquiétants et sur certains aspects très apaisants. Vous avez quelque chose à rajouter, les meufs? On est un peu fatigué, hein. Ouais, on clôture, de toute façon, je crois qu'il n'y a rien qui d'intelligent qui sortira de nos bouches. It's a gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise the heavens up higher. It's gonna rain. It's gonna rain. I said it's a gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise the heavens up higher. It's gonna rain. It's gonna rain. Well, God got angry upon his throne. The angels in heaven, they began to moan. Said, go down, angels, stir up a flood. Blow out the sun and turn the moon into blood. Then come back, angels, and guard the door. For I declare my time shall be no more. They told me, great God, when it began to rain. The women and children, they began to scream. They knocked upon the window, they beat upon the door. Saying, look at you, Noah, can you take on more? Noah said, I'm sorry, my friend. Cause God's got the key and you can't get in. It's a gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise the heavens up higher. It's gonna rain. It's gonna rain. It's a gonna rain, children. God's gonna send the water from Zion.